Bonjour à toutes et bienvenue sur les vidéos de la taupe. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va reprendre un papier et on parle de quoi pour cette troisième vidéo de l'été. Allez, on prend un papier et on parle de quoi. Je vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag les vidéos de la taupe ou l'hashtag la taupe été. Le papier est ici. Et je vous rappelle également que je vais vous mettre quelques sondages là, et il y en a d'ailleurs qui sont déjà mis, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est Jean-René Lataupe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un top. C'est parti donc pour le top de l'été. Alors les amis, pour cette vidéo de ce top, on va vous proposer un top 15 d'été évidemment, ce sera un top 15 des plus belles plages de France. Et oui, vous le savez qu'on n'a pas encore le droit d'aller dans les pays cet été étrangers. Bon, il y en a qui disent qu'on pourra, il y en a qui disent qu'on pourra pas. En tout cas, je vous propose les meilleures plages tout simplement les meilleures plages, et oui. Alors vous êtes prêts, on va commencer par la 15e position et on part à la plage de Saint-Clair à Le Lavandou dans le Var. Et pendant que je vous parle, vous voyez évidemment les magnifiques photos de chaque plage. Plage de Saint-Clair dans le Var. Et je rappelle que si vous allez à la plage, vous mettez bien la crème solaire, évidemment. À la 14e place, c'est la plage Dendaï, c'est en Pyrénées-Atlantiques. Encore une fois, de magnifiques photos. La troisième place, elle est pour la plage d'Étretat, dans la Seine-Maritime. La Seine-Maritime. Douzième place, je vais y arriver. La plage de Palombagia, à Porto Vecchio, en Corée du Sud. Alors, je tiens à dire que c'est des plages en France métropolitaine, évidemment. Tout ce qui est, par exemple, Tahiti, tout ça, ne font pas, évidemment, partie, Guadeloupe, Mayotte, du classement. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bon courage à toute l'équipe et à tous ceux qui vivent à Mayotte, qui sont encore qui sont encore énormément touchés au Covid-19. Je pense évidemment très fort à eux. Et encore une fois, je félicitations à tous ceux qui ont travaillé en France pendant cette crise. On passe à la 11e plage. 11e place, on va chez moi. On va en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Puisque à la 11e place, c'est la plage de Silon à Saint-Malo. Saint-Malo, vous le savez que c'est une ville que j'apprécie parce que je suis d'Ille-et-Vilaine et je suis de Bretagne et avec cette magnifique plage. On passe à la 10e plage et à la 10e plage, c'est la plage du lac de Novarose Biscarrose dans les Landes qui remporte cette 10e place. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les hashtags les vidéos de la taupe ou les hashtags la taupe été ou encore sur la taupe plage. On passe tout de suite au top 10, ça y est, avec le top 9 tout de suite. Et c'est la plage de Deauville dans le Calvados. Et Deauville, il y a également un super casino là-bas. Donc la plage de Deauville dans le Calvados. 8e plage, c'est la plage de Notre-Dame-Île de Porquerolles, qui est très connue dans le Var. Le Var, hein, ils m'ont fait rentrer deux hein, déjà. Deux, et je peux vous dire, il y en a un petit troisième dans pas longtemps. Donc voilà, donc bravo à la plage de Notre-Dame à l'île de Porquerolles dans le Var. 7e plage, c'est la plage de Salossia, désert des Agriates, en Haute-Corse,
Les Corses aussi, hein, ils ont des bonnes plages, évidemment, l'île de beauté. En sixième plage, j'ai rêvé, c'est dans le Pas-de-Calais, à la plage du Touquet. Touquet, il y a évidemment une super thalasso. Voilà, il y a une super thalasso là-bas. Et il y a également Sébastien Corée qui a une maison au Touquet. Et donc la plage du Touquet qui est magnifique, vous la voyez évidemment, dans le Pas-de-Calais. Allez, c'est l'heure tout de suite du top 5 des meilleures plages de France, les plus belles. Et à la cinquième plage, c'est Poloma, la plage de Poloma à Saint-Jean-Cap-Ferret dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes. Et je vous rappelle que c'est un sondage qui a été fait en 2019 de Génération Voyage. Top 5, c'est donc plage Paloma. La quatrième plage, c'est la plage de l'île Vierge à Crozon en Bretagne, dans le Finistère. Et encore une fois, j'y suis déjà allé, c'est une magnifique plage. Vous la voyez évidemment, c'est une super belle plage. La troisième plage, c'est la plage de la Côte de Basque, Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, évidemment. Biarritz, le soleil. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Non, il fait toujours beau en Bretagne également. Allez, deuxième place. Allez, pour vous dire la deuxième place, on va écouter une petite musique. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Ah, voilà, c'était Saint-Tropez, la BO du film des gendarmes de Louis de Funès, les gendarmes à Saint-Tropez. Donc vous avez compris que la deuxième plage, c'était la plage de Saint-Tropez dans le Var, qui s'appelle plage de Pampelonne. De Pampelonne. Alors, quelle est la première plage de France? Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle est pour vous votre plage la plus belle et quelle plage vous préférez aller. Vous abonner, c'est important. Vous activez la cloche et n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, c'est Jean-René Latop. Et vous pouvez évidemment réagir. Je rappelle les hashtags. Hashtag les vidéos de Latop, hashtag Latopété et hashtag La top plage. Je vous donne pas rendez-vous lundi, mais exceptionnellement, je vous donnerai rendez-vous jeudi, et ça pendant quelques semaines, tous les jeudis on se trouvera. Et jeudi, je vous présenterai Betty. Vous allez voir qui c'est, Betty. Vous allez voir qui c'est. Je la présente jeudi sur les vidéos de la top. Donc à jeudi, et je vous retrouverai exceptionnellement en plateau. Allez, je vous dis à jeudi pour vous présenter Betty. Je vous aime. Ah, bye bye et bonne journée. Tout de suite, le générique de fin avec évidemment la musique de Saint-Tropez. Allez, bye bye. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles, belles à croquer. Au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez.